C'est normal que je milite pour abolir cette peine de mort. Mais aussi, à mon avis, j'ai vu tant d'horreurs. La plupart des condamnés à mort que j'ai vus, ce sont des malades mentaux. Il y a aussi la torture instantanée et d'une façon méthodique dans le couloir de la mort. Tu attends toujours qu'il t'exécute, tu attends toujours à chaque pas, à chaque instant, à chaque ouverture d'une cellule. Tu dis voilà, ils vont m'exécuter. C'est ce qui veut dire que tu vis dans cette sensation atroce d'être exécuté de façon que tu souhaites qu'ils t'exécutent et mettre fin à cette. Et il y a beaucoup d'arguments. La plupart des condamnés à mort, ce sont des pauvres. Il y a aussi la justice. Il y a beaucoup de fautes de justice. À mon avis, la justice ne doit pas être un tueur. On ne doit jamais donner à l'État de tuer. Tuer une personne, c'est un homicide. Et le droit de la vie, c'est le suprême droit qu'on doit conserver.